Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme. Vous êtes en présence du Droid Tech et c'est parti pour Unruly Heroes qui est disponible sur le Nintendo eShop depuis un petit moment. Et ouais, la date de publication du jeu est le 23-1-2019. Ça fait un petit moment maintenant, mais moi j'ai juste de le découvrir. Au niveau des langues, allemand, anglais, espagnol, français, etc., tu connais. Et la taille installée à peu près sur ma micro SD fait 4,7 Go à peu près. Le jeu est disponible au prix de 19,99€ sur l'eShop, c'est bien bien cher. Il est beaucoup moins cher sur Steam. Si vous avez un PC, il est à 6€. 99, sachant que c'est un jeu du 23 janvier 2019, donc il faut en profiter. Développeur éditeur, c'est Magic Design Studio, donc c'est des anciens de chez Ubisoft qui ont créé le jeu, et du coup on va retrouver quelques pépites dans ce jeu-là, au niveau des anciens jeux. Du coup je me suis perdu un peu sur l'eShop, et j'ai découvert ce jeu-là, donc j'en ai profité pour vous le présenter sur la Gata TV, parce que moi il m'a bien plu, j'ai fait un petit run vite fait. Donc c'est parti, vous pouvez désormais accéder au mode photo à partir du menu. Vous pouvez désormais sélectionner le mode de difficulté dans le menu, ok. Vous pouvez désormais débloquer le rang diamant et statistiques requises, ok. Vous pouvez désormais accéder à la liste des mouvements des personnages à partir du menu pause. Ok, et donc c'est parti pour l'aventure. C'est un jeu de genre plateforme, jeu indépendant et jeu d'action-aventure, jeu de combat et jeu de tir en même temps. Donc on va le découvrir ensemble, c'est parti. Since the dawn of time, the sacred parchment has maintained the balance between worlds. Throughout the ages, dark forces conspired to undo that order. Eventually, they prevailed. Like comets hurled down from the heavens, fragments of the parchment were scattered across the land. And in their wake, fair became foul. Virtue turned to vice. Now, wretched creatures roam the land, wreaking havoc and leaving chaos in their wake. Only four truly unruly heroes can turn back that dark tide and restore order to heaven and earth. Well, at least I'll give it a shot. On va se mettre en mode normal, c'est impeccable. Donc au niveau de l'histoire, t'as compris, hein, le parchemin sacré préservant l'harmonie de notre monde a été déchiré et éparpillé aux quatre vents. D'étranges et terrifiantes créatures parcourent à présent les terres en semant le chaos et la discorde. Et du coup, l'avantage de ce jeu-là, c'est qu'on peut jouer aussi à 4. Donc ça fait un peu comme Conan Chop Chop, ce que je vous avais présenté. Allez, c'est parti. Donc avec le joystick de gauche, je peux diriger mon personnage. Ensuite, on va voir les commandes. Avec B, je peux sauter et j'ai déjà accès au double saut. Donc ça, c'est impeccable. Là, je vais tester Y. Voilà. Donc là, j'ai fait BY. Bon, impeccable. Là, j'ai fait X. Donc avec X, je peux lancer mon bâton avec ce personnage-là. Là, je peux me déplacer avec R. Voilà. Pour une esquive, par exemple. Avec A, je peux attraper, je suppose. Là, je peux changer de personnage avec L. Donc on a 4 personnages et il faudra les utiliser en fonction de l'histoire. Et LZR, ouais c'est ça, ZL et ZR, on ne peut pas les utiliser pour le moment. Là en plus on nous dit ce qu'il faut faire. Donc on peut jouer avec le Pro Controller, avec Joy-Con, il n'y a pas de problème là-dessus. En tout cas c'est super beau. Et l'intro m'a fait un peu penser à Kiwakfu et tout ça. J'ai super adoré. Du coup je l'avais zappé quand j'avais fait ma première run. En tout cas, c'est super chatoyant, c'est super beau, j'adore. Prenez garde, héros, vos destinées sont tracées, mais la route est parsemée de dangers. Dans votre quête pour empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres, vous affrontez des ennemis redoutables et mettez vos compétences à l'épreuve. Mais bon, ne vous mettez pas la pression, hein. Vous allez y arriver.
Bon, où en étais-je? Danger, ténèbres, ennemis redoutables. Ah oui, la présentation. Je suis Guanyin Puza, déesse de la miséricorde. Je suis celle qui verra sur vous et vous enverra des bonnes ondes lorsque les choses se corseront. Mais assez parlé de moi, que le voyage vers l'ouest commence. Donc du coup, on est carrément sur un célèbre roman chinois qui est assez connu dans l'histoire. Je trouve super beau et la maniabilité elle est impeccable. Il n'y a rien à dire là-dessus. Musique sympa dans les oreilles. Double saut comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là pour l'instant petit jeu de plateforme qui se fait tranquillement. Il n'y a rien à dire. Et donc le roman chinois, si j'arrive à le dire du premier coup, sinon je vais cut, obligé. C'est la pérégrination, donc si j'y arrive du premier coup, la pérénigration vers l'ouest. C'est vraiment le titre, hein. J'invente pas, je suis sur l'affiche. Ah, premier combat. Voilà. C'est pas mal, les monstres ont l'air d'être assez forts. On s'ennuie pas trop. Bon, ils sont pour l'instant, c'est le premier round, donc premier level. Est-ce que je peux aller par là? Pas l'impression. Sinon, je vais perdre. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ce jeu. Moi personnellement je l'avais jamais vu. Unreal Heroes. Quand j'ai regardé les trailers, je fais waouh. Donc là on du coup dit qu'avec B, uniquement avec Sanzang et Kiyong. Pour planer. Donc on a les deux personnages. J'y arrive. Voilà, donc là on va pouvoir planer. Voilà. Donc A ne sert peut-être pas à prendre les objets. Mais sert peut-être à bouger des leviers et tout ça. On a... oh, lui il a l'air d'être balèze. Pour l'instant on va garder lui. On fera les autres personnages plus tard. Il se joue tout seul le jeu. Hein. Franchement il est archi... Bon, il répond super bien. Juste ça à dire. Il répond super bien. Avec la manette c'est un vraiment un kiff. Vous avez récupéré le premier parchemin et débloqué les premières illustrations. Ouais, ok, on fera ça dans les extras. Ok. Ah merde. Ouais d'accord. Pas grave. Là j'ai un autre personnage, du coup je peux pas utiliser l'autre. Voilà. On va prendre ça pour l'instant. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir voir les autres personnages. Qui est impeccable. Alors lui il peut sauter comme ça. Hop. Si je meurs c'est pas grave. C'est le but. Donc là, il y a deux âmes et du coup je sais pas ce qu'il faut faire. Bulldam. Quand vos personnages meurent vous pouvez revenir à la... Ah bon, Bulldam, d'accord. Ok. Ah bah c'est bien ça. Du coup on peut ne pas mourir. Donc il est assez permissif le jeu. Pas un pas de plus. Vous voyez cette lanterne? Cherchez en doute comme celle-ci en chemin. Elles sont, comment dire, très importantes. Et dans l'éventualité où tout ne se passerait pas exactement comme prévu, votre corps et votre âme réapparaîtraient à la dernière lanterne allumée. Bah, c'est un checkpoint. En fait, je pense qu'on pourrait aller jusqu'à dire qu'elles mettent de la lumière dans votre vie. C'est un checkpoint. Oh, hop, on peut aller par là. On a des petits monstres. On va essayer ce personnage là. J'ai pas le temps de le tester. Quand j'ai lancé. Ah oui d'accord, on peut le lancer, impeccable. Ouh, c'est du lourd ça. Là, si je prends... Je peux y aller, ok. J'adore ce jeu. Bah, niveau DA. Un truc de dingue. Donc la direction artistique. Bon, level design, on est sur un jeu de plateforme. C'est super beau. Hein. Le son et tout dans les oreilles, c'est impeccable. Oh mon dieu, vous m'avez flanqué une de ces frayeurs. Je ne m'attendais pas à rencontrer des héros séduisants. Hihi. Mais
canyon du crâne est un endroit périlleux et redoutable. Le mont ennuyeux. Mais je vais vous montrer un chemin sûr. Je vais même le faire avec grand plaisir. Allez mes amis, suivez-moi. Par la mer. Vénère à lui, hein. Je sais pas comment il s'appelle, mais... Ouh. D'accord, donc là on a un autre à battre. Ah oui, lui, il rigole pas. Hein. Ah, son déplacement, enfin l'esquive est pas fifou. Par contre, il se bat bien. Ouh, je suis là. Lui est plus agile. Il tape moins, mais il est plus agile. Ah, oh, je croyais l'avoir eu, mais non. Allez, on continue. On essaiera les autres, évidemment. D'accord. Je sais pas si je peux l'avoir, là. Pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Hop, c'est juste de l'avoir. Ah merde! Wouah! D'accord. Là, je peux pas pour l'instant. Donc là, je pense qu'il va falloir que je vole. Sinon, je vais mourir là de l'eau. C'est sûr. Ah, peut-être pas en fait. Je pensais, mais non. Faut utiliser lui avec Y. Et ça c'est bien parce que du coup on est appuyé comme il faut. Donc on va utiliser Y. Et c'est le seul qui peut battre ces pierres. Donc on avait déjà vu des jeux comme ça sur la Gata TV. Hein. Il y a des chauves-souris là-haut. Pour l'instant ils me font rien. Okay. Donc L plus X, ouais. Ah ouais, cool. J'avais pas vu ça. On peut plus me transformer. Ah, d'accord. Bah franchement, c'est impeccable. Merde. Oh, le boulet. Et on l'a pas encore fait. On peut le taper. Ah ouais. On l'a récupéré. On va essayer un petit peu avec ce personnage-là. Il est plus dans la détente. Plus difficile à manier celui-là. Allez là-haut. Okay. Là je peux y aller là. Comme il est léger, c'est vachement plus pratique pour... Mais pas très pratique à manier. Merde. Oui, il y a une lanterne là-haut. Impec. Ah, qu'est-ce que ça me donne par là? Sauter avec B. Ouais. Bon, du coup, on va à gauche, à droite. Un coup avec A. Franchement, c'est super maniable. Bon, j'ai pas été en bas. Je sais pas si c'est grave ou pas. Là, le but, c'est pas de platiner le jeu, c'est de vous le faire découvrir. Bon, après, il est de 2019, donc il y a déjà pas mal qui l'ont pensé. Mais ça n'empêche pas de découvrir des anciens titres sur la Switch. Oh, attends, ça rame pas des masses, c'est super bon. Vu la qualité du jeu. Là, si on est capable de faire des jeux comme ça. Hein. C'est quoi ça? Je sais pas du tout ce que c'est, ok. Peut-être du level up. Je verrai après. Comme vous, je découvre le jeu. Et je pense que je vais affronter un boss après, c'est obligé. Ah, ah c'est chaud là. Là c'est quoi ça? Hop. Là où j'ai pas pu y aller. Pas dérangeant pour le moment. Ah ouais, là c'est pas drôle là. La pierre en bas.
prends la pierre, la monnaie. Nickel. Bah franchement, je kiffe à mort. Hein. Il est trop bien ce jeu. Oula, ça sent le boss. Il attaque. D'accord. Donc... Oh, comment je l'ai vu là? Pour l'instant, on joue à longue distance, on va pas de problème. Oh, c'est chaud quand même. Hein. Ok. Il a une durée de vie. Est-ce que je prends. Fais gaffe avec lui là. Je peux rester là, ça n'a pas l'air de mourir. Moi ça m'arrange. D'accord, je peux tuer comme ça. Je suis passé de l'autre côté. Bon, bah écoute. Non mais pour moi. Les monstres vont quand même derrière, impeccable. Bon, l'ennemi est pas super dur pour le moment. Il y a une petite recharge. Donc t'as un cooldown au moment de tes actions. C'est pas trop dérangeant franchement. Ça fait facilement le boss. Franchement j'adore. Par contre là j'ai pas pris le bon personnage. Par là, il y a quoi? Donc, B, L, Y. Ok. D'accord, pour casser. Comme on peut voir dans tous les plateformeurs. Normalement. Ouh. Ouh, ça envoie jump à mort, là. Ça, j'ai loupé des machins. Mais non! Oh là 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 là. Ouais, du coup. Okay. Du coup, il faut bien glisser. Il faut prendre le bon personnage. Ouais, j'étais pas loin. Bah, je pense que c'est lui qu'il faut prendre. Comme il est super léger. Oh non, c'est pas lui. Eh bah c'est pas grave, on va se laisser là. Ouais, bah c'est pas grave, faudra que j'essaye un peu plus tard. Donc voilà pour moi la présentation de Unruly Heroes sur Nintendo Switch. Le jeu est disponible à partir de 19,99€ sur l'eShop. Je le trouve bien trop cher. Il est aussi disponible à partir de 7 balles sur Steam. Donc si vous avez un PC ou une console et tout ça, n'hésitez pas à le prendre tout simplement. J'essaie de récupérer un peu mes copains. Moi franchement j'adore. Au niveau de la maniabilité, il n'y a rien à dire. Au niveau du son, il n'y a rien à dire. Au niveau du level design et de la DA, franchement moi j'adore à mort. Seul petit problème, c'est que j'ai découvert ce jeu là un peu trop tard. Mais pourquoi pas le faire en fil rouge tranquillement entre 2-3 épisodes quand j'ai pas grand chose à présenter sur Gada TV. Moi pour ça. Moi personnellement c'est un grand oui, je vous dis de le prendre, il n'y a pas de problème. Si vous ne l'avez pas déjà, je vous dis à la prochaine sur Agata TV. Salut. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.